Ça fait peur, hein, le petit coup de scratch, je t'ai vu ça sursauter. Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes dans un hors-série, hein. Nous sommes dimanche, tu le sais, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ce sont les blocs classiques. Et samedi, dimanche, les hors-séries, quand il y en a. Hein. C'est pas dit qu'il y ait de la mécanique, c'est pas dit qu'il y ait de hors-séries. Bah, tu sais, déjà c'est ma chaîne, je fais... Non, je fais ce que je peux, hein. Non pas ce que je veux. Ben, j'aimerais bien en faire plus, mais bon, étant tout seul, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une... Daily observation, en gros ça fait un mois passé que le bac est en eau, hein. Vous êtes nombreux à me le demander, qu'est-ce qui devient le bac, qu'est-ce qui devient le bac? Alors aujourd'hui on va regarder un peu ce que devient le bac, je te balance tout ça après le jingle. Alors le bac, pour commencer, il y a eu un peu de changement, tu le vois. Ici, j'ai fait un espèce de capot qui me sert tout simplement bon, à me cacher un peu la lumière. Et ici, tu vois l'intérieur, il est relativement blanc. Donc ça m'améliore un petit peu la puissance de l'éclairage. Hein. J'arrive à gagner à peu près 400 lumens avec ça. Ici, tu le vois, j'ai fait aussi un couvercle. Hein. C'est un grand mot, tu le vois tout simplement. C'est une plaque. Hein. Qui nous sert normalement à faire des vitrages, tu sais, dans les serres, etc. Vraiment le truc qui se coupe à la disqueuse ou à la scie, tu comprends. Voilà, donc ça m'évite quand même pas mal d'évaporation, parce que le bac évaporait pas mal de flotte. Et il faut savoir que dans un aquarium marin, l'eau, tu imagines bien, c'est de l'eau plus du sel. Quand ça s'évapore, il n'y a que de l'eau qui s'évapore. Le sel, lui, reste dans le bac. Donc ça veut dire que la salinité dans l'eau, hein, donc c'est-à-dire le taux entre le sel et l'eau, eh ben, le sel augmente, donc ça veut dire que l'eau devient de plus en plus salée. Il faut savoir que les coraux à l'intérieur, eux, et les poissons, mais principalement les coraux, aiment bien avoir des paramètres d'eau les plus stables possibles. Donc j'ai trouvé intéressant, en fait, de limiter l'évaporation et donc d'avoir une densité, hein, une salinité qui ne bouge pas de trop. Ici, tu le vois certainement, j'ai fait, on va appeler ça une osmolation, tout simplement, c'est quoi? C'est une compensation de l'évaporation. Quand l'eau s'en va, hein, c'est tout simplement, attends, je vais te l'enlever. Bon, t'as compris, ça a bien coulé. Donc voilà. Ici, tu vois, c'est simplement un bout de diorite, hein, rigide. Tout ça, c'est étanche. Hein, donc, quand l'eau arrive ici, touche le tuyau, donc l'air ne peut pas monter dans la bouteille, donc l'eau ne peut pas couler. Et dès que l'eau descend, tac, ça fait un petit appel d'air et ça remplit, bah, tout simplement, ce qui manque dans l'aquarium. Hein. Comme ça, on a vraiment un niveau toujours constant. Et donc, encore une fois. Le rapport entre le sel et l'eau, hein, donc la densité, bouge beaucoup moins. Voici maintenant sur la vue, hein, principale du bac. On va passer de ce côté en allant de ce côté-là. Tout simplement, je vais déjà un peu te lister les différents coraux et les choses que j'ai un petit peu modifiées. Toute cette partie-là n'a pas trop changé. C'est surtout ici le bas et ce centre-là qui a pas mal été modifié. Enfin, le côté aussi, tu me diras. Bref, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc ici, tu le vois, hein, on va commencer, je vais te simplifier au maximum. Hein, on va te dire que tu as deux espèces d'anémones, hein, orange, celles-là n'ont pas bougé. Elles se développent très très bien. Ici, là-bas, tu le vois, tu as un pavona. Hein, ici, donc, tu en as un vert. Et là, tu en as un, on va dire, violet, hein, pavona cactus, poilu et pavona cactus, on va dire classique. Là-bas, tu le vois en blanc, hein, on le voit en blanc sur l'écran. Sache que c'est des coraux en fait qui étaient, on va dire, à 95% morts. Donc je les ai mis dedans. On verra s'ils repartent. J'en ai dans un autre bac à bouture. Eux repartent bien, hein, ils rechoppent de la couleur. Et visiblement, au départ, ils devaient être verts, à polype blanc visiblement. Donc ceux dans le bac à bouture, du moins, reprennent. Ici, tu le vois, j'ai une bouture qui doit être un Cariotopora Xtrix vert, hein, j'imagine. Ça, c'est des trucs que j'ai récupérés, hein, donc. Ce qui est intéressant, c'est que celui-là, il s'implante bien, il commence déjà à repartir, on le voit tout simplement parce qu'on a de nombreux, en fait, départs de ramifications. Ça, tu vas voir, dans l'évolution, ça fait un... Enfin, ça, c'est... Une fois que ça grossit énormément, c'est quand même magnifique. Bon, ici, on a un Colastrea, hein, donc ça, j'en ai plein de boutures partout dans la maison.
J'ai pris la plus moche, hein. Je savais pas si ça allait tenir, mais visiblement elle se plaît super bien. J'ai déjà une division de tête là-bas. Tu le vois, j'avais déjà 4 têtes de mortes. Enfin, je sais pas si tu le vois, mais j'avais 4 têtes qui étaient déjà déglinguées. Donc c'était vraiment ce que j'avais de plus moche en magasin. Mais j'ai dit bon, je la mets quand même. Et franchement, il se plaît super bien. Là-bas derrière, j'ai une tête, hein, de Stylophora Milka. Bon, pour l'instant, il n'est pas violet. Normalement, ça devient vraiment violet. Pareil, ça, c'est une bouture bah, qui était très mal en point. Donc, par contre, là, les polypes sont bien sortis. Donc, je m'inquiète pas de trop. Elle s'implante bien. Le seul truc qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas l'air de pousser énormément. Hein, quand elle pousse, c'est simple à savoir. En fait, les têtes deviennent blanches. Là, pour l'instant, bon, ça n'a pas l'air. Bah, on va attendre encore. Hein, le bac est tout neuf. Donc là-bas, tu le vois, tu as la même bouture que là-haut, hein, qui reste une bouture, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ici, il y a eu un gros changement, j'avais mis sur plot ici, tu vois, tout ce qui était Zoanthus. Et j'en ai remonté là-bas, tu le vois, une là-bas, une là, hein, j'en ai remonté trois, tout simplement. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, dire qu'ils cherchaient la lumière. Donc je les ai remontés pour qu'ils chopent énormément de lumière, et là je le vois, hein, moi ils sont remontés depuis 2 jours. Il commence déjà en fait à mieux se réouvrir et à mieux se réinstaller. Donc effectivement, ils ont l'air de bien mieux se plaire ici. Et le troisième, celui qui est le plus bas ici, je l'ai remonté tout simplement parce que j'avais l'impression qu'il perdait un petit peu de couleur. Hein. Ça, c'est des animaux qui sont assez intéressants parce que c'est pas un truc que tu places n'importe où et terminé. Suivant l'emplacement où tu vas le mettre dans le bac, il va pas avoir la même couleur, la même forme, etc. Ceux du bas ont l'air de bien se plaire. Hein. Ils sont bien colorés, il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, on voyait, c'était moyen. Donc, là, ils ont l'air de mieux se plaire. On va attendre un petit peu. Ici, il y a eu pas mal de changements. Donc, j'ai placé à l'avant mes 3 Acanthastrea qui étaient dans mon autre bac en haut. Simplement, j'avais un poisson qui n'arrêtait pas de tirer dessus, d'essayer de les bouffer. Donc, bon, j'ai dit, je les dégage et je viens les remettre ici. Au moins, ici, ils sont tranquilles. Ils peuvent se réinstaller tranquillement. Hein. Celui du milieu, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps ici. C'est celui qui est le plus beau. Hein. Franchement, il est assez magnifique. Alors là, sous l'éclairage là, moyen. Mais dès qu'on arrive en éclairage bleu, franchement, comme dirait l'autre, il claque sa mère. Là-bas, derrière, j'ai une bouture de Xenia qui a bien du mal à partir. Hein. Le Xenia, c'est un truc qui est super facile, mais c'est où tu le tiens, où tu le tiens pas. Moi, j'ai jamais réussi à en avoir. Bon, bref, là, j'en ai une petite pièce. Bon. Il était avant dans l'autre coin ici, hein, je l'avais protégé de la lumière et du courant. Donc là, je l'ai protégé juste du courant, mais un peu plus éclairé. Hein. Il faut savoir que les coraux, bah, c'est intéressant parce que suivant l'endroit où tu vas les placer dans le bac, en fait, ils vont pas réagir pareil, ils vont mieux se développer ou moins. Ici, pareil, tu le vois derrière le vert, le Silunaria. Il était bien ici, mais je me suis dit, il est encore un peu trop brassé, donc j'ai été le mettre dans un coin ici, et je pense qu'il va mieux se plaire. Ici au centre, on a tout ce qu'on va dire, bon, on va appeler tout ça des anémones, hein, tout simplement, il y en a plusieurs. Tu vois la verne du fond, qui est encore pas très ouverte, là, parce qu'on est encore un peu tôt dans la journée, mais qui va s'ouvrir encore plus. Ici, tu le vois, tout ce qui est là, en fait, c'est vraiment bien ouvert, hein, avec du vert, du rouge que j'ai récupéré dans mon bac d'en haut, une autre couleur de vert, enfin bref, tout ce qui est là, c'est bien ouvert, franchement, ça part très très bien. Derrière, le Capnella, lui, bon, bah, il se plaît, hein, à peu près. Il est là depuis le départ. Bon, bah, ça a l'air d'aller. Et enfin, en haut ici, j'ai encore 2 boutures de dur, du plateau vert et du plateau rouge. Bon, là, il est un peu marron, mais normalement, il devrait devenir rouge. Et tout en haut, tu le vois ou pas, une toute petite pousse encore, hein, de Seriato Ustrix vert. Si c'en est, hein, je pense que c'est ça. Alors comme ça, ça peut te paraître hein, complètement inintéressant, c'est pas forcément vrai, tout simplement parce que entre le matin et le soir, tu n'as pas du tout le même bac en termes de couleur, de forme des coraux, etc. Il faut imaginer qu'un corail comme celui-là, comme ça, comme tout ce qui est ici, le matin, c'est vraiment fermé et ça s'ouvre au fur et à mesure de la journée, c'est vraiment sympa. Et quand tu vois les coraux manger, pareil, c'est intéressant. On va essayer de faire manger ici un Acanthastrea, que tu vois un peu la tronche que ça a. Et il faut savoir que la vie s'installe hein, tranquillement. C'est ça qui est assez impressionnant. Je vais te mettre un petit timelapse. Tu vas voir un peu le corail évoluer au fur et à mesure de la journée. Et tu regarderas bien au sol. Tu verras plein de trucs qui courent. En fait, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de la microfaune. Hein, ça arrive comme ça sur une petite souche de corail, hein, dans des petits trous sur une pierre. Tu as des petites bestioles et vu que là justement tu n'as aucun poisson hein, qui va les bouffer, et ben là en ce moment la microfaune est en train d'exploser. Il y en a partout.
mes amis, un petit retour sur le bac. Donc on va continuer à le laisser maturer, hein, tout simplement. Et plus on attendra pour mettre des poissons, mieux ça sera. Hein, qu'il y a un équilibre qui est le temps de s'installer. On est sur un petit volume, donc ça va se faire assez vite. Dites-moi dans les commentaires, hein, si on continue un peu à expliquer et à voir un peu comment ça se passe, l'aquariophilie marine et récifale. On pourrait faire une petite étude des coraux, les durs, les mous, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Voilà, dites-moi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.